Félix, Antoine, Tshisekedi, Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Les officiels, les trois équipes qui se sentent classées en ordre utile, je rappelle. Deuxième du tournoi de football, le 9e jeu de la... Les champions, vous pouvez déjà vous avancer pour aller chercher cette médaille d'or. Vous avez bataillé dur, vous êtes battu jusqu'au bout pour aller chercher ce trophée, cette médaille d'or dans ce tournoi de football, le 9e jeu de la francophonie. Après un match nul d'un but partout face au Liban, vous vous êtes ressaisi face au Niger. 1-0, également 1-0 face à la même équipe du Niger en demi-finale. Et ce soir, vous êtes à l'honneur puisque vous avez pu remporter ce tournoi après cette belle victoire face aux étalons du Burkina Faso. Les vainqueurs du tournoi de football, le 9e jeu de la francophonie, les Lions indomptables du Cameroun. Président de la République démocratique du Congo. Ils y ont cru jusqu'au bout. Les Lions indomptables du Cameroun, comme on le dit, impossible n'est pas camerounais. Thank you.
capitaine, Songo Tongfat, qui va recevoir sa médaille, la médaille d'or pour le Cameroun, vainqueur du tournoi de football, le 9e jeu de la francophonie, Kinshasa 2023. Le Cameroun à l'honneur pour ce tournoi de football de 9e jeu de la francophonie. Vainqueur et victorieux en finale des étalons du Burkina Faso. Place à la traditionnelle photo de famille avec son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Qui a remis les médailles aux différents lauréats. Les Nigériens pour la médaille de bronze. Les Burkinabés pour la médaille d'argent. Et les Camerounais pour la médaille d'or. L'expression de nos hommages le plus déférent, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, pendant 10 jours de plaisir, 10 jours de bonheur, 10 jours où Kinshasa a fait vibrer le cœur de pays francophone. Marilyn, pendant 10 jours, le sportif et artiste se sont donné rendez-vous ici à Kinshasa. Kinshasa donc a été cette capitale de tout le pays francophone. Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, vous vous rappelez que la dernière fois que nous avons eu un événement pareil dans notre beau pays date de plus de 50 ans, qui était le grand combat Mohamed Ali Foreman. Et aujourd'hui, grâce à la francophonie, on renoue avec cette culture sportive. Et c'est un changement, un grand changement pour nous, pour vous et pour le monde entier. Alors, comme je le disais tantôt, les choses sont en train de changer à Kinshasa. Hier soir, Maître Gims nous disait, le sol change et gardons espoir. Je voudrais ce soir, mesdames et messieurs, rendre un vibrant hommage à un homme. Cet homme qui a cru à ses 9e jeux de la francophonie. Cet homme qui n'a pas dormi, matin, midi, soir, il était là pour que ces jeux puissent avoir lieu. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les Congolais, au nom de tous les Kinois, un standing ovation! Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci, merci pour ces moments. Merci Monsieur le Président. L'histoire retiendra que grâce à vous, vous avez fait de tous les pays francophones et grâce à vous, les gens se sont donné rendez-vous au Congo. Au nom de tout le monde, merci. Merci énormément. Et oui, Jesse, il faudrait aider. Kinshasa Bozali. Marilyn Nazo Okate. Nazo Okate. Quand vous êtes au Sénégal, on vous dit Djanga Jeff. Yes.
Quand vous allez au Bénin, on vous dit... on dit quoi? Je sais pas. Banakin. Banakin. La plus belle langue africaine. Banakin. Non, Nazokate. Banakin. Bagoloa Bozalelo Awa. Là tu sens quand même, hein. Là tu sens, ça va. Tu sais, depuis le début de ces Jeux de la francophonie, il y a une phrase qui revient toujours dans ces stades. Ici c'est Kinshasa. Ici c'est Kinshasa. On peut y aller. Ici c'est Kinshasa. Ici c'est Congo. C'est Congo. Ici c'est Congo. Ata kitoko azote.